l'été s'en vient, puis j'ai toujours pas de blonde, moi. T'aurais plus de temps pour t'en trouver une? J'ai appris comment Chandy t'avait reviré de bord l'autre fois. C'est pas de tes affaires, ça. Ouais, Alexis, je dis ça pour... Je m'en fous de Chandy, OK? Je peux me trouver une autre fille, n'importe quand. Celle que je veux, je claque des doigts, là. Je l'ai tout de suite. Vraiment? Mais hein, ils trippent toutes sur moi. Ben, c'est normal, ils aiment ça, les bombes. Bien plus que les petits joueurs de hockey pas de tête. Il est pas vu, lui! Il me donne envie de le faire marcher. T'es chanceux, Alexis, de pogner comme ça. Mais c'est quoi ton truc? Ah. Arrête d'être bourré. T'oublies qu'on a un souper dans un beau resto pour la fête à papa. Ouais, je sais. Mais c'est ce soir, hein? Ça me laisse quand même 6 heures pour digérer ma pomme. Je pense que je vais être correcte. Regarde, c'est mon cadeau pour papa. Oh! C'est ses groupes préférés, ça? Ouais. Le coffret des meilleures chansons françaises. C'est super. Puis toi, c'est quoi ton cadeau? Ben, je vais le faire briquer. Ah ouais? Qu'est-ce que tu vas faire? Arrête de tripoter mes photos! Excuse! Je vais faire du scrapbooking sur une boîte pour rappeler des beaux souvenirs à papa. Parce que c'est la première fête qu'on fait, hein, depuis la séparation des parents. Ah, ouais, c'est... C'est pas pire. Mais dépêche-toi, hein? Le souper est à 7 heures. Je le sais, j'ai le temps. Bon. Comme je suis super bonne en art plastique, je suppose que tu veux que je t'aide. OK, je vais le faire. Hé, hey, mange pas trop! Dépêche-toi de finir ton cadeau, je vais t'aider. Arrête de me traiter comme un bébé. Mais commence donc par arrêter de réagir comme un bébé. Justement. Je suis capable de me débrouiller toute seule. C'est correct. Moi, je voulais juste être fine. Ouais. Pas sûr que mon cadeau va être aussi beau que celui de Karine. J'ai quelque chose à vous demander. Quoi? Hey, ça a l'air bon, ça. Les filles, ça vous dirait de faire marcher Alexis? Pourquoi? Ce matin, j'ai voulu être cool avec lui en lui disant que je trouvais ça plate que ça n'avait pas marché entre Chandy puis lui. Il m'a envoyé promener. C'est pas fin. Mais hein. À quoi tu penses comme coup? Lui faire croire que vous tripez sur lui. Mais il sait que c'est pas vrai. Ben ouais. C'est pas ce qu'il dit. Quoi? Non, non, il dit que toutes les filles tripent sur lui. Franchement. Non, il pense que toutes les filles aiment les bombes comme lui. Mais c'est pas la première fois qu'il dit une niaiserie. Pourquoi on ferait marcher là? Chloé, réveille. J'ai voulu être gentil avec lui, puis il me répond en me disant qu'il pogne plus que les petits joueurs de hockey, pas de tête. Oh. Ouais. Il a même ajouté. Celle qu'il a choisie, elle dit oui tout de suite. C'est épouvantable. Moi, j'embarque, surtout là qui s'est jamais gêné pour me niaiser. On va avoir du fun. Mais, hein. Ouais, mais il a peut-être réagi comme ça parce qu'il voulait pas parler de Chandy. Bon, tu le défends. Simon essaie d'être gentil avec Alexis, puis il l'envoie promener. Il mérite une leçon. Puis, d'habitude, t'es la première à le traiter d'épais. Aurais-tu un kick sur lui? Ah, chère Fritz! Bon, mais Alexis, là, il gêne jamais pour faire des coups aux autres. Ouais, c'est normal qu'on lui fasse la même affaire. J'ai une idée. Je vais lui envoyer une lettre d'admiratrice anonyme. Cool! Salut Alexis, tu me connais pas, j'adore les bannis et je t'aime. Oui, tu pourrais rajouter. Oh, la façon que tu tiens tes baguettes de drum, c'est tellement viril. Ça me dérange pas, mais si vous beurrez trop épais, il va tout de suite deviner que vous le faites marcher. C'est vrai, ça. Si c'est réaliste, ça a bien plus de chances de marcher. Ouais. Merci pour ton aide, Chloé. Non, je veux pas vous aider. C'est le dictionnaire sur les rêves que ma tante m'a offert. Ah, oh, ouais. Hey, il est super bon. J'ai interprété le rêve d'une fille à l'école, puis ça a marché. Ah, oh, ben. Elle avait rêvé qu'un gros poisson atterrissait dans ses livres d'école. D'après mon dictionnaire, ça veut dire qu'elle va avoir du succès dans ses examens. Ben, sais-tu quoi? C'est exactement ça qui lui arrive. Ça fait que je veux me pratiquer à interpréter des rêves. Ça te tente-tu de m'en raconter un?
Cette nuit, j'ai rêvé que je tombais d'une échelle. Ah ouais? Oh, veux-tu bien me dire, toi, comment je m'arrange pour me mettre de la colle partout? Je veux faire du scrapbooking sur une boîte pour que mon père range ses photos. C'est pour sa fête. Puis, qu'est-ce que ça dit? Rien. Je peux t'aider? En ouais, là, dis-moi donc ce qui est écrit. Ça dit... Vous allez vivre un échec. Mais tu sais, ça veut rien dire, ça. Inquiète-toi pas. Moi, je crois pas à ça, ces affaires-là. Tu devrais aller voir ma sœur. Elle aimerait ça. Oh, oh! Attends, je vais t'aider. Non, garde, laisse faire, OK? C'est déjà tout raté. Pourquoi tu fais ça? D'habitude, t'aimes pas ça, les arts plastiques? C'est correct, là, je le sais que je suis poche là-dedans. J'ai jamais dit ça. C'est pas, là, je sais que c'est nul. Je me demande comment elle réagirait si c'était quelqu'un d'autre qui la critiquait comme ça. Mademoiselle, votre travail est insignifiant, stupide, pourri et rempli de fautes. Madame, vous manquez de respect puis vous me découragez. Moi, je vais me plaindre à la directrice. Madame, vous l'avez entendu? Oui, et je suis d'accord. Votre travail est nul. 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 Je regarde ta boîte, puis moi, je trouve que pour du poche, c'est beau pareil. Mais essaye pas. Mais même si j'y crois pas à ton dictionnaire, ben, il a raison. Hein? Je vis un échec. Puis mon cadeau, mais il sera pas beau. Oui, allô? Oh, Nathan! Regarde, je m'excuse, j'ai complètement oublié d'aller te porter tes notes de cours. Oh, je sais, là, mais l'affaire, c'est qu'en ce moment, j'ai vraiment pas le temps parce que je fais une boîte pis ça. Je vais y aller, moi. Ils sont où? Là. OK, salut. OK, bye. Ouais, ben, c'est beau, là, l'espère qu'il m'en va y aller. Hey! Bonjour. Allô? Est-ce que Nathan est là? Non, j'allais l'appeler pour une petite urgence. Je peux t'aider? Non, je suis venue lui porter des notes de cours de la part de Sarah. Ah, ben, posez sur le comptoir, là, je lui dirai. T'es rendue femme de ménage ici? Non, c'est juste que, comme je viens souvent cuisiner ici pour mon travail de traiteur, mais pour compenser, j'ai promis de faire un gros ménage. Hey, c'est quoi ça? Un dictionnaire de rêves. C'est super le fun. Mais on dirait que ça n'intéresse pas grand monde de me conter leurs rêves. Veux-tu que je te raconte le drôle de rêve que j'ai fait cette nuit? Certain, c'est quoi? Alors, je roulais dans une auto qui s'est transformée en congélateur. Puis là, j'arrivais devant des énormes pots de cornichons. Ah, puis il y avait des cloches aussi qui sonnaient, là. Bliou, bliou. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu compliqué. Oui, complètement bizarre, tu veux dire. Je vais l'écrire pour prendre le temps de l'analyser. Parce que là, je dois aller travailler au centre des loisirs. Ça presse pas. Simon, je t'en plein dans une partie d'ordi, là. C'est super important. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fille qui m'a demandé de te remettre une lettre. C'est qui? Elle m'a fait jurer de pas le dire. Puis j'ai comme l'impression qu'elle tripe sur toi. Ah ouais? Ouais. Salut Alexis, je te trouve pas mal à mon goût. Puis j'aimerais ça te connaître. Si ça tente de savoir qui je suis, je veux être au CDL cet après-midi à 4 heures. À plus tard, une inconnue. Wow! J'avais dit, trip tout sur moi. As-tu senti? La lettre est parfumée. Ouais, mais est-ce qu'elle est belle? Ouais, pas laide, pas toute. Es-tu là, toi? Tu sais, c'est quoi mon truc? La fille qui t'intéresse, là, tu te tiens loin d'elle, tu lui fais croire qu'elle te plaît pas. Pas en tout. Pourquoi? Parce que dès que tu lui montres que tu tripes sur elle, elle se met à te niaiser. Non, plus t'as l'air de te foutre d'une fille, plus elle veut t'impressionner. Tu comprends? OK, je vais essayer ça. Ah, Alexis, venez avec l'ordi, j'en ai besoin. Alexis, l'ordi! Alexis! Ah, quoi? Tu finis avec l'ordi? Ah. Ouais, OK. Merci. Il est beau, ton chandail. Il fait super bien. C'est elle, la fille, qui m'a écrit. Ça m'étonnerait, mais d'un coup que... J'en reviens pas! Une petite remarque gentille, puis il pense qu'elle est amoureuse. Non, c'est pas Chloé. Mais... Mais quoi?
Mais c'est vrai qu'elle te regardait pas comme d'habitude. Ça marche, mon truc, hein? Eh ben ça! Hey, t'imagines la face de Fritz Sauce quand il va se rendre compte que sa blonde me cause? Ouais, ça va jaser dans les corridors de l'école. Ouais, mais est-ce que Fritz est violent? Je pense pas, non? Good. En tout cas, t'es vraiment hot, Alexis. Pourquoi tu dis ça? Ben parce que tu pognes! D'habitude, t'es pas le genre à me faire des compliments, Simon. Ah ben, c'est parce que moi, j'ai jamais reçu de lettre comme ça. Où tu vas? Ben, je vais m'arranger pour être plus cute pour mon rendez-vous. Ah. T'as fini ton scrapbooking? Oh ouais. Super. Regarde ce que j'ai trouvé pour la petite touche finale. Mais tu pourrais dessiner là, des petits soleils argentés ou dorés sur ta boîte. Moi, je sais pas. Hein, tu trouves pas ça beau? Regarde comment c'est joli. Ben oui, c'est beau. OK, mais là, tu me déranges. Oh, je peux aller à la maison les rajouter moi-même? Si non! Quoi? Tu penses que je vais gâcher ton scrapbooking? Mais non, c'est pas ça. Et je finis pas ma boîte. Ben, trop poche. Ça doit pas être si pire que ça. Tu devrais être contente. Pourquoi? Ben, c'est sûr que papa va préférer ton cadeau. Ben oui, ça va être toi la plus fine. C'est pas ça que je veux. Bon, viens-t'en à la maison, là, on va la finir, ta boîte. Non, c'est tellement pourri que même Kim m'a dit que c'était râpé. Quoi? C'est vrai. Sarah, faut pas que tu te laisses décourager par l'opinion des autres. Même pas par la tienne. Pourquoi tu me dis ça? Sarah, t'as fini ton scrapbooking? Non. Puis c'est à cause de toi. Comment ça? Fais-tu le décourager en disant que c'était poche? J'ai jamais dit ça. C'est Sarah qui arrêtait pas de répéter que son travail était poche. Moi, ce que j'ai dit, c'est que pour du poche, je trouvais ça beau. Sarah? Ben, t'avais pas l'air de me croire capable quand t'as dit... Mais pourquoi tu fais ça? Toi, d'habitude, t'aimes pas ça, les en plastique? J'ai pas dit ça pour me moquer. Ouais, ben ça ressemble à ça, en tout cas. Sarah! Tu files pas, hein? Non, puis j'ai des bonnes raisons. Je suis pourrie. Arrête de dire ça. Toi-même, t'étais pas sûre que je serais capable. C'est pas ça que je voulais dire. Bon, on arrête de discuter, on s'en va à la maison, puis je vais t'aider. Mais c'est ça, tu m'as encore non, dit... Non, pas parce que t'es pas capable, mais parce qu'on a tous besoin d'un petit coup de main, une fois de temps en temps. Puis aussi, c'est parce que je pense que c'est toi qui as eu la meilleure idée de cadeau. Puis ce serait plate que papa le reçoive pas. C'est bizarre. Il me semblait que toutes les filles trippaient sur toi. Ah oui, mais là... C'est pas Kim, toujours? Oh, elle est trop jeune. Je suis pas intéressé. J'imagine très bien ce qui se passe dans la tête d'Alexis en ce moment. J'ai réussi à interpréter le rêve dont tu m'as parlé hier. Quel rêve? Ces temps-ci, je rêve souvent quand je vais au restaurant puis je mange du rôti de porc. Bon, c'est pas dur à comprendre. Ça veut dire que t'es un gros cochon. Pas du tout. D'après mon dictionnaire, c'est... un présage d'amour et de succès avec le sexe opposé. Tiens, je te l'ai écrit. Tu vois, même mes rêves le disent. Exactement ce qui arrive dans ma vie. T'es bonne. Merci, c'est gentil. Si t'as d'autres rêves, tu te gênes surtout pas. Phew, c'est pas elle. Tiens, mais tu me l'as remis avant de partir, hein? Ouais, certain. Hey, Chloé, raconte-nous, Alexis, ce que t'as entendu dans les toilettes des filles. De quoi tu parles?
Oui, Chloé, tu m'as dit que t'avais entendu des filles dire qu'elles trouvaient Alexis pas mal sexy. Ah, ouais. C'est de même, hein? Ouais. Il est bien épais! Ouais, mais c'est pour ça qu'on fait bien de le faire marcher. Non, je suis pas d'accord. Alors là, j'ai rien dit, mais c'est la dernière fois. C'est pas une bonne idée de niaiser. Il y en a pas une qui me regarde. Elle est peut-être pas encore arrivée. Ouais, peut-être bien gênée. Gênée? Mais toi, Don Juan, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, quand la fille est gênée... Je vais te donner un indice. Quand tu la regardes pas, la fille te regarde. Ah, come on, là, dis-moi c'est qui? OK. C'est la fille qui est à l'ordi, derrière toi. Merci. Allez. J'ai trouvé cool ta lettre. C'est pas le même parfum que dans ta lettre, mais il sent bon lui aussi. Ça va pas, tourne dans ta tête. Pourquoi tu ris? Simon, dis-lui la vérité. On t'a fait marcher, mon gars. La lettre, c'est Karine qui l'a écrit. Mais moi, j'étais pas d'accord, hein, j'ai rien fait. C'est dégueulasse. Je me suis dit, t'es tellement cool, Alexis, tu vas pogner pareil. Vous êtes rien qu'une gang des cœurs, hein? Tiens ta lettre. Pis toi, là, avec tes interprétations de rêve, là, c'est nul. C'est glauque. Ria. Nathan? Nathan! Ah! Tu m'apportes l'interprétation de mon rêve? Ben, je peux pas. Je venais juste porter les trucs que j'ai oublié de donner à Nathan. Puis j'ai perdu mon dictionnaire. Je l'ai retrouvé. Non, mais tu sais, si ça te tente plus, t'as juste à me le dire, hein. C'est vrai? Ben oui, moi, je faisais ça pour te faire plaisir, mais si ça te dérange, on oublie ça. Mais inquiète-toi pas, je vais donner ça à Nathan dès qu'il revient. C'est parce que tantôt, en sortant du centre des loisirs, je me suis fait envoyer promener par une fille pour qui j'avais interprété un rêve. Pour quelle raison? Ben, je lui avais dit qu'elle réussirait tous ses examens. Elle m'a tellement cru qu'elle arrêtait d'étudier. Puis là, elle a passé proche d'en couler un. Ben là, c'est pas de ta faute, là. Elle aurait dû continuer d'étudier. Je sais. As-tu le temps de regarder pour mon rêve? Bon, OK. Je te dis ce que j'ai trouvé pour ton rêve, mais il y a rien de sûr, OK? Inquiète-toi pas, je me choquerai pas. Bon. Dans ton rêve, tu conduis ta voiture. C'est bon signe. Ça veut dire que tu mènes ta vie comme ça te tente. OK. Le congélateur, c'est bon aussi. C'est un signe de prévoyance. Puis les cloches annoncent un événement de joie ou de peine. Comment je fais pour savoir si c'est de la joie ou de la peine? Ben, ils disent que ça dépend du contexte du rêve. Oui, mais mon contexte, c'est des cornichons. Ouais, je le sais. Sauf que pour les cornichons, j'ai rien trouvé. Mais j'ai cherché concombre, vu que ça ressemble à des cornichons. Puis ça dit que c'est un retour à la santé. Je suis pas malade. Je le sais, ça tient pas debout, mon affaire. Mais non, c'est mon rêve qui tient pas debout. Sais-tu, je pense que je vais continuer à interpréter, mais juste mes rêves. Puis si jamais je fais un beau rêve qui a de l'allure, là, je t'appelle. OK. Mange. Hey, il me semblait qu'on devait rien avaler avant le resto de ce soir. Oh, il nous reste 2 heures, là, puis j'ai faim. Moi aussi. Elle est belle, ta boîte. Je pense pour vrai. OK. C'est grâce à toi si je l'ai terminé. Tu sais, Sarah, c'est pas grave, hein, si t'es pas hyper bonne dans tout. Pourquoi tu dis ça? T'es super bonne à l'école, en natation. C'est
c'est pas grave si ton cadeau n'est pas parfait. Oh mon Dieu, c'est brillant. OK, c'est beau, j'ai compris. Mais la prochaine fois, par exemple, laisse-moi te dire que je vais fabriquer quelque chose de plus facile. T'as enfin compris les bonnes paroles de ta chère sœur. Je peux mettre mon cadeau dans celui que t'as fait? Si tu veux, on peut dire que ça vient de nous deux. Ouais, OK. Merci pour ton aide. C'est correct. Bon, il nous reste du temps, là. Je vais reviser mes... Oh non! J'ai oublié mes notes de cours chez Simon. Je reviens dans pas longtemps. OK! OK! Super, on se voit tantôt. As-tu quelque chose à voir? Oui, j'ai hâte. Oh, non, merci. Bye-bye! Puis, Denis, as-tu fini ton gros ménage? Fini et bien fait. Pas pour s'en débarrasser comme certains. Est-ce que c'est toi qui fais aussi le souper ce soir? C'est tellement meilleur. Ah, bien essayé, Simon, là, mais c'est pas ton tour ce soir. Il paraît que t'es un excellent cuisinier, toi aussi. Oh, pas pire, mais l'affaire, c'est qu'il faut absolument que je révise pour mon examen. Ah. Ouais, tu vas réviser pour vrai cette fois-ci? Ouais, pourquoi tu dis ça? Salut! J'avais oublié mes notes de cours tantôt. C'est le rendez-vous de l'effort académique, si. Ouais, mais là, faut qu'on se dépêche, il nous reste juste une heure. Ouais. Puis, comment ça s'est passé avec Alexis? Ben, disons que notre gros poisson a mordu à l'hameçon, pas à peu près. Oh, ouais? Ouais. Vous êtes pas correct. Vous êtes mis en gang pour me niaiser. Ah, come on, Alexis, t'es pas encore fâché, là. En passant, là, tu t'es jamais gêné pour niaiser le monde, Alexis Talbot. Ouais, t'aimes ça faire des coups, c'est normal qu'on t'en fasse aussi. Mais c'est dégueulasse, vous m'avez fait passer pour un épais devant tout le monde. C'est vrai que d'habitude, t'es capable de faire ça tout seul. Hey, toi, je vais t'en sacrer, là. Hey, c'est calme, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils m'ont fait croire qu'une fille est en amour avec moi, puis c'était même pas vrai. Ouais, c'est pas l'affaire la plus intelligente. Bon, tu vois, même M. Carpentier est d'accord avec moi. Non, je suis pas d'accord avec toi, là, mais je dis juste que... Vous êtes capable de régler ça entre vous, hein? En vous parlant, hein? T'as raison, Alexis. Moi, je le dis depuis le début, c'est pas une bonne idée. Mais Zach, c'était pas une bonne idée. Le pire, c'est que je connais vraiment une fille qui trippe sur toi. Écoute, tu niaises encore? Non, c'est vrai. Tu vois, je pogne pour vrai. T'es juste jaloux. C'est qui? Chloé, tu vas pas l'encourager à croire qu'il y a vraiment des filles qui trippent sur lui. Elle s'appelle Caroline. Caroline? Ouais, Caroline en secondaire 3, elle participe au journal. Est-ce qu'elle est belle? Oh oui! Elle m'a même donné son numéro de téléphone. Attends, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Elle a pas de... Parce que moi, ça m'intéresse pas. T'es bien épais, toi! Oh, puis débrouille-toi donc tout seul! Hey! Elle est trop bonne, celle-là! Mais ça! De toute façon, je n'ai pas besoin de ton papier, je vais la retrouver tout seul, Caroline. Ah oui, c'est sûr! T'as tellement des bons trucs, Alexis! De toute façon, il y a plein de filles qui trippent sur toi!